Hey, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, qu'un moi en tout cas, ça va nickel. On se retrouve pour du Cross Maga. Cross Maga, bah, je ne le présente plus, hein, c'est mon jeu, un de mes jeux préférés, hein, qui est pour moi bien meilleur qu'Hearthstone. Surtout, je me fais poutrer sur Hearthstone, surtout. C'est un peu de la rage, on va dire ça comme ça. Du coup, j'espère que vous allez tous bien. Le stream marche bien, je suis content, tout est nickel. Ouais. Sans mise en stand-by. J'ai les commentaires à côté. N'hésitez pas à parler dans le chat. Ça fait toujours plaisir. Donc, au programme d'aujourd'hui, on va essayer de faire deux petits challenges. Pas trop compliqués. Hein, suffit juste d'invoquer des machins et ça le ferait. Et puis, allez, petit objectif. On va essayer de monter en classé. Allez, on va peut-être essayer de monter. Allez, petit objectif, rang 15, je dirais, dans ce live. Et si vraiment on a atteint le rang 15 rapidement, je dirais, allez, rang 17. Rang 17, si on atteint le rang 15 assez rapidement. Je suppose que c'est plutôt pas mal pour 2 heures de live. Du coup, on va y aller tout de suite. On est 8 en live, c'est pas mal. Bonjour à tous, merci d'être là pour moi, pour tout le monde, pour Final Level. Du coup, je vais peut-être remettre le son quand même de Cross Maga. Y a pas de son, c'est normal. Voilà. Du coup, on se retrouve avec Seba Emmanuel qui rank 11, qui joue un Inutrof. Vas-y, je vais garder mes petites cartes. Suffit que lui aussi il ait des petites cartes, je pourrais les contrer facilement. Puis j'ai mon Mosquito qui peut être pas mal. Du coup, c'est parti. Juste mettre peut-être là comme ça ici. Hop là. Alors, belle godasse, c'est noté. Hop, on va mettre ça en attendant. On a mis silence, mais c'est pas grave, je m'en fous. De toute façon, tout ce que je veux, c'est tuer cette invocation toute pourrie. Oups. N'hésitez pas aussi à apparaître dans le chat parce que justement, moins on est nombreux, plus je pourrai lire vos commentaires facilement. Hein. Moi je dis, faut en profiter. Hein. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, genre sur mon deck ou quoi que ce soit, je peux vous éclairer. Si vous avez aussi des critiques à faire sur mon deck, sur ma façon de jouer, pouvez-vous également me le dire. Hein. Je suis ouvert à toute. Comment qu'on dit en français? J'ai oublié le mot, c'est pas grave, vous avez compris. J'espère, je crois. J'aimerais bien. Du coup, là, j'ai mon masque pleutre. Est-ce que je l'active maintenant? T'as quoi comme effet? Après, on transforme un prisme en butin. Ouais. Je vais faire comme ça, ok. C'est bon, j'ai un plan. J'ai un plan. Donc toi, tu vas mourir, c'est pas grave. Bon, j'ai pas joué que t'as pas un truc qui te fait 1 PM, sinon ça va me faire chier de me prendre un dégât pour sur mon Fodofus, perso. Hein. Ok, moi je devrais utiliser ma fiche d'ex sous le trip, j'ai pas le choix, sinon j'arrive pas à le faire reculer. Sauf si je pioche éventuellement. Ah, c'est pas ce que je voulais, c'est pas grave. Ce que je peux faire, c'est faire ça. Non, je peux pas. Je vais jouer ça là. Je vais pas jouer ça là. Plutôt ici, voilà. Hop. Deux prismes PA. Voilà. Et là, maintenant, je peux tuer ma flèche destructrice. Nickel. Y a pas de raison que tu touches mon Fodofus. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai défendu mon Fodofus, perdre un Fodofus dès le début de la game, ça fait un peu. Chieux, voilà. On va pas se le cacher. Des débuts de la game, ça peut donner un avantage à mon adversaire. Déjà là, il pourrait plus toucher à ses prismes. Ok, tu me fais perdre mon Kra, c'est pas grave, je m'en fous. Donc là, je vais jouer mon masque pleutre. Je vais le jouer sur mon prisme fléau. Prochain tour, je joue peut-être mon mascara feuille. Si je joue mascara feuille, je pourrais gagner des AR.
Peut-être que j'attends mon tour aussi, je sais pas. Ça dépend comment il va jouer. Donc pour le moment, ça se passe bien pour moi, ça se passe bien pour lui, rien de dangereux pour l'instant. On essaie de faire nos decks. Donc, alors attends, perce armure, mort, pioche une carte, d'accord. Du coup, ouais, je vais faire comme ça, je vais Mosquito pour le faire back. J'ai joué ma dernière carabine ici. Nickel. Du coup, j'ai pu piocher ça. J'ai joué un coup de fléau. Vas-y, je vais garder un. Non, ah non. Si, je vais garder mon fléau. Je sais plus combien j'ai de mosquitos dans mon deck, je crois que j'en ai deux, je crois, si je dis pas de bêtises. De toute façon, j'en ai même trois, si ça se trouve. Ça c'est quoi? Canne bouclier. Ok. Ouais, là je perds ma carabine. Après, c'est pas grave, c'est un faux Dofus. Après, si on me donne plus 1 d'attaque, et si on me donne 2 PV. Ouais, si tu veux. Poser ça là. Claquer ça là. Est-ce que c'est utile? Ouais, plutôt. Du coup, Mosquito va attaquer. Ok, Clarabine va attaquer. Je devrais tanker un coup. Moi, je devrais tanker un coup assez facilement. Ok, si tu veux. Non, j'aurais pas fait ça sur la ligne là. Je sais pas pourquoi. Pourquoi pas après, hein. Je suis pas contre. Hein. Quand même là c'est con pour lui parce que du coup il va pas assez avancer, du coup je vais pouvoir péter son bouclier. Ça jarte. Ça dégage. Du coup là je vais taper le Dofus. Là je vais placer mon Ask. Non, Aka. Aska. Ah, Axe. C'est S Exa. 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 Exa sauce. Exa sauce. Exasaut en fait. Ouais, okay. C'est un jeu de mots. J'ai jamais pigé en fait. Je suis un peu con. Tapez par là-bas. Moins 2. Moins le bouclier. Donc là, s'il donne notre pelle, les fameux spells qui attaquent sur la ligne, il se fait plaisir. Parce qu'il fait pas mal de dégâts. Ouais. Namogoro allait me faire reculer. Deux petits moubres. Charge. Du coup, je vais me faire plaisir, hein, je vais pouvoir piocher. Bah, Clara, elle va attaquer normalement. Ouais, elle va toucher, ça c'est cool. Là où ça va être tristesse, c'est que mon Maskman Pleutre va mourir du coup. Donc, on va couvrir avec ça. Et je vais claquer ça ici. Ouais, tu pourras tellement pas m'avoir. Allez. Moins 2. Moins 2. Je vais piocher. Oh, j'ai Marlin. Marlin, c'est pour les invocations de 2. Nickel, ok. Et Mogrilla. Ok, c'est dès l'apparition. Donc, il me servira à rien. Je pense que je pourrais peut-être utiliser s'il invoque.
une carte assez chiante. Je pense naturellement à un illustrophe avec un bouclier qui peut être très chiant. Là, j'ai pas demandé est-ce que le son était bon, est-ce qu'il y a quelque chose à modifier ou quoi que ce soit. Parce que j'ai oublié de vous demander du coup. De toute façon, on ne m'entend pas depuis le début, j'ai l'air d'un con. Je regarde sur OBS, normalement sur OBS, si on m'entend, c'est nickel. Alors, transforme une invocation en butin. Ouais, pas con, bien joué. Mais bon, j'aurais pas fait ça sur cette carte, tu vois. Bah, quoi que, si, elle aurait pu être chiante en vrai. J'aurais pu gagner tellement d'AR. Alors, ça, c'est quoi? Ah, d'accord. Pour 2 d'attaque, ouais. Donc là, je vais faire ça comme ça. Pour récupérer le bulletin, on va vendre une. Hop. Ah, cool. Ça peut être pas mal. Goultard. Goultard, elle peut être pas mal aussi, Goultard, en vrai. Un truc est sûr, parce que ça, là, elle meurt déjà. C'est pas mal, elle avancera pas plus loin. Du coup, je vais claquer Goultard ici. Je fais 2 de dégâts encore une fois. Là-bas, je tue. Là, je tape, ça va le faire reculer. Bon, je me fais quand même niquer. C'est pas grave. Là, je pioche. Une glaive. Ah, ça, c'est bien pour Goultard, par exemple, la glaive. Goultard ou même SK, en fait. Sacrifier un freeze pour donner plus un attaque et un AR. Ouais. Alors attends, une, deux, trois. Ouais, non, t'arriveras pas à Mondofus. T'arrêteras ici précisément. Ça, c'est cool. Grâce à l'effet de ma petite pâtisserise, que je kiffe personnellement. Enfin, son effet, pas pâtisserise. Ne pas sortir du contexte, s'il vous plaît. Monte-toi là-haut, tu es un petit peu embêté. Ah, mais non! Ha! J'ai 4 d'AR. M'embête pas du tout en vrai. D'accord. Invocation qui détruit. On change de ligne aléatoirement. Ah, pas bête. Pas bête, pas bête, pas bête. Du coup, si je me mets sur la ligne là, en vrai, je défonce tout. Ou alors, ça, c'est un vrai Dofus, ça, c'est sûr. Du coup, puisque vu comment il défend. Alors, ça jarte. Hop. Nickel. Hop. Ça là, donc Escastot, il va enlever ça, mettre un fléau là, un autre fléau, non, pas mettre un autre fléau là, on va juste mettre ça là. Tu peux poser la carte s'il te plaît? Merci, c'est juste au cas où que ma pâtisserie se fait avoir. Faudofus, ouais, il a pas défendu, ça me semblait totalement logique. Ouais, logique. Ah, je pourrais pas changer de ligne peut-être. Alors salut Serafina, comment vas-tu? Y a trop de X dans ton pseudo, wow, j'ai flippé. Wow. Alors, Barham Barbemont. 7 PV. Zeker. Alors là, je vais avoir mal. Là, je vais avoir mal. Je vais avoir mal. J'ai bien fait de jouer du coup Escassot derrière. Du coup j'ai pas changé de ligne. Ça c'est bien. J'ai pas changé de ligne. Joue un autre Escassot derrière au cas où. Je vais claquer un fléau. Bah ça va bien, merci, merci. Je suis juste en train de rouler sur mon adversaire et ça c'est parfait. Hop. Oh yes! Deux éclairs d'élite, ça c'est bien. Un vrai Dofus, c'est cool ça aussi. Vas-y s'il te plaît, change de ligne, s'il te plaît, Escassot. Sur le côté. Yes! Ça c'est cool ça. Du coup j'ai pioché un fléau. Ça jarte. Ouais, je sais, les X perturbent beaucoup. Ouais, un peu beaucoup. Il y a
3x au début, 3x à la fin, ça fait Baco. Faerys. Le Faerys qui va me rendre. Ouais. Comment on appelle ça? Silence. Ouais, il va me donner silence. Ça branche pas pour des crabes personnellement puisque je joue la portée. Bon, après, je m'en fous. Hein. J'ai juste à jouer As, suivi de ma éclaireuse, et on n'en parle plus. J'ai même 4 fléaux, je peux tellement me faire plaisir. Alors, ouais, toi t'as un ciblable. Là, je joue mon As. Je vais jouer As d'arrière. Ben, peut-être pas d'arrière en fait. Je vais peut-être jouer plutôt As ici. Une éclaireuse. Où est-ce que je joue l'éclaireuse du coup? Ouais, bon, si je vais. Ah, attends. Ouais, bon, sinon je devais changer de pseudo, donc bon. Encore ton pseudo, ça va. Hein. Après, un pseudo, ça va être personnel. Hein, après. Poser ça là. Je vais poser quand même quelque chose ici au cas où. Et je vais mettre un carquois. J'ai un mosquito, ça c'est bien ça. Je peux retourner une game avec un mosquito. Je vais piocher. Les daggers, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Ah putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai trop de cartes dans la main. C'est dommage. Dommage. Mosquito, c'est sûr, du 3 d'attaque. Comment ça se passait, quand ça se passait. Ça le met de chance. Tu donnes plus 1 PM. Ouais. Cavalier Nimbus, ça par contre, il fait de chiant. Ah, je sais comment je vais faire ça. D'abord. Je vais claquer ça ici. Je vais pas arriver de Dofus. Hop, l'orbe, ça dégage. Non, mais attends, je suis tranquille. J'ai champ libre. Et là, je vais faire des dégâts. Est-ce que je peux back une invo? Je peux pas battre d'avou là, c'est dommage. Je vais essayer mon tofu y aller pour le moment. Hop, faux dofus, c'était évident. J'ai quand même 8 de dégâts. Bim. Le one shot. Et là, j'ai 5 fléaux, j'ai forcément gagné. C'est une instant win là, ce que je fais. Gouldtard. Là, il joue l'XP, là, c'est bon. Il sait qu'il a perdu. Là. Ah, il tente le rush. Il tente le rush, du coup. Je me demande où est-ce qu'il va rush, du coup. Bien joué. Alors là, il a bien joué, j'ai rien à dire. Il a pris un vrai de fou, c'est pas mal. Bien joué. Juste pour être sûr, on sait jamais. On va jouer sur la ligne là. Tu back. Hop là. On est 7 spectateurs, merci de rester fidèle, hein, Kappa. Donc, comment est-ce que tu vas jouer?
je me demande. On dirait qu'il croit que tout est peut encore se jouer, tu sais. En mode, je peux le faire, je peux gagner. Je vais claquer Moon ici. Je claque ça là. Puis pour le fun, je mets un carquois. Puis yes game, c'est bon, j'ai gagné. Ouais, t'as forfait, merci. Au revoir. Suis pas talent 13, dommage. Allez, on continue. 50 cellules, les 100 cellules, c'est nickel. Du coup, bah avec mes kamas, je vais les dépenser pour XP ma créature, hein, ma petite créature. Qui est-ce que j'ai les XP dans mes infinites? Qui est-ce que j'ai vraiment besoin? Marine, quand même, elle se fait faible. Je la fasse up. Vas-y, je vais faire up Marine. Hop, merci. Je peux encore la faire up 2, 1. Hop, j'ai Marley niveau 4. Je vais me le mettre dans mon deck. Alors, ça, je prends. Ça, je prends. Marlene, je vais me la mettre directement dans mon deck. Deck. Cra modifié. Où es-tu, Marlene? Hop, on va mettre ma Marlene de 4 PA. Je crois pas que j'ai modifié, du coup, je crois que j'ai dit non. Ouais, j'ai pas modifié. Marine niveau 4. Niveau 4, j'ai dit. Enregistré. Hop. Qui sait que je peux XP? Je peux peut-être faire XP Goultard. Goultard. Goultard, faut que je fasse XP. Ouais. Ouais, ça. Alors, ça, je sais, c'est le chef. Sous en Dark Vlad. Elle coûte super cher par contre, en Dark Vlad. Goultard, on va le laisser comme ça, on va le faire XP. Moon. Ouais, on va prendre Moon, on va prendre Moon, on va le faire XP en Darkly Moon. Darkly Moon, c'est. Je gagne quoi à la fin? Ah, c'est un coco, ok, d'accord. Hop. Hop là, voilà, j'ai Dark Moon. Moral de l'histoire, j'ai quand même claqué pas mal de thunes. Hein. Du coup, on va encore modifier. Deck. Deck aggro, modifier. Moon. Hop. Elle coûte juste un PA de plus. Moi, franchement, je trouve que c'est rentable. Un d'attaque de plus pour un PA. Franchement, c'est sympa. Alors, du coup, attends, oui, du coup, elle est dans ma collection et dans nouveau. Je déteste avoir les notifications, je suis désolé. Hop. Et on continue. Direction le rang 15. Alors, Dem the Fury. D'accord. C'est un Xelor, j'aime pas trop les Xelor. J'espère que ça va bien se passer, bah, si je garde ma main. Je commence en premier, comme d'habitude, comme la malédiction le veut. Alors. À mon tour, je finis mon tour. N'hésitez pas à follow la chaîne aussi hein, pour pas rater aucun live. À rejoindre le Discord. Si quelqu'un veut. Quoi? Shnokapik lance un raid. Un groupe de 19 personnes. Ah bah merci, Shnokapik. Sympathique de ta part. Wow, un raid quand je me fais raid. Genre, j'y crois pas.
Oui, merci Zoroark. Ouais, désolé, je suis juste concentré sur le jeu là, je peux pas trop mettre les liens. Tu m'excuseras. Attends, du coup, toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu détruis un prisme, ok, c'est bon, nickel. Hop. Ouais, on est 31 du coup. C'est incroyable. Jamais j'aurais pensé dans ma vie être 31 sur mon live. Du moins en ce moment. C'est ouf. Waouh, franchement, merci les gars. Franchement, c'est ouf. Franchement, merci Chocapic. Sur tous les refs, faut que ça tombe sur mon live. Vas-y. Ah, Sergent Pascal, j'aime pas cette carte, elle est chiante à battre. Ce que je peux faire, peut-être. Claquer ça et mettre réveiller mon Fodofous. C'est pour ça que je le fais, ouais. T'as bien fait, Zoroark. Tu as l'eau avancée, mais bon, je te toucherai quand même. Ça passe large, c'est bon, t'inquiète. Ouais, c'est un Exelor, franchement, je déteste Exelor, je l'ai déjà dit, je sais, mais. Oula! Oulala, oulala, oulala. On va se calmer, monsieur Uxelor, hein? Claque une orbe là. On va pas faire en sorte de pêcher. Ouais, on va y aller comme ça, c'est pas grave. Un sur le live, faut que ça arrive à moi, c'est normal. Je suis chamboulé là, ça y est. Ah d'ailleurs, je viens de remarquer que Seraphina a changé son pseudo. Ça va me faire tilt dans le cerveau là. Ouais, ok. C'était évident de toute façon qu'il allait faire ça. Exorc, je joue pas percé. Ou alors, toi, je suis désolé. T'as un pseudo tellement clair. T'appelles Belcorut. Ok, je crois. C'est écrit tellement clair, mon gars, que j'arrive pas à voir. Je crois que c'est sa belle corrute. Bienvenue à toi. Salut à toi, Master. Alors, Master Z. Désolé hein, si j'ai du mal à lire. Jusque là, c'est le soir. Hein. Je suis pas réveillé de fous là. Vas-y, je claque ça là. Ça ira mieux. Oui, en rouge c'est mieux. Changement radical. Ah bah oui. Ah bah là, il y a beaucoup de X en moins. Genre 6. Alors, du coup, toi, tu vas pouvoir rip up en boucle. Ça va être chiant. Tu vas me gêner. Ah, vas-y, toi aussi, t'es chiant là. Je sais pas de quoi qui m'a fait des sous-tricks maintenant, c'est chiant. Ah! Marlin. Ça peut m'être utile pour le coup. Bam! Voilà, comme ça, tu seras quitte de repop à l'infini. C'est plus lisible et c'est plus propre. Exactement! Je n'aurais pas dit mieux. Ça, je le claque là. Ah oui, mais non, je vais mourir. Ouais, c'est pas grave. J'aurais dû mieux lire. Salut, ouais, je lirai pas ton pseudo, désolé. Ou alors, je vais t'appeler Tozor. Ouais, je vais t'appeler Tozor. Ouais. Ça sera mieux pour la rediff.
du coup, la flèche destructrice, là, me semble d'actualité. Du coup, est-ce que son effet est activable pour moi, du coup? Si c'est activable pour moi, c'est craqué, quand même. Serait tellement craqué. Genre, elle revient tout, elle reviendrait souvent dans ma main, tu sais. Bon, je crois qu'elle a une carte, je crois qu'il a une carte à 20 PA. Et la carte à 20 PA, elle me détruit à coup sûr un Dofus. Je crois que c'est ça en plus, ouais. Alors, marquage, je peux faire une attaque. Ok. Enfin, invocation est portée en jeu. Ok. Donc, il me faut 5 si je veux le Wash KO. Ou alors, même pas. Je lâche une orbe aussi. Hein. Je vais plutôt claquer une orbe. Moi, je pense que ça va être mieux. Quoique. Nickel. En plus, je regardais les PV, hein. Je suis un abruti. Du coup, elle reviendra pas dans ma main, mais c'est peut-être mieux comme ça. Ouais, elle vient dans ma défausse. Nickel. Ah, il y a du monde dans le chat. Je suis content, ça parle. Je suis content là. J'aime bien quand ça parle dans le chat. Ça prouve qu'il y a de la vie, que vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas des bots. J'aime pas les bots. Est-ce que je claque mes deux orbes? T'as combien de portée? T'as 3? Ouais, là, je suis obligé de claquer mes deux orbes, sinon il me touche. Ah, mais attends! Je tape à travers. Ouais, non, je suis obligé de claquer mes deux orbes quand même, sinon je suis jamais assez de dégâts. Sauf si je pioche Az, avec un coup de chance. Az ou une carte qui me fait booster en attaque. Je crois que le jeu a planté là. Le jeu n'a pas kiffé là. On va attendre hein, qu'il se débloque. N'hésitez pas à follow la chaîne, hein, comme ça, pour que vous puissiez rater aucun live. Bon, j'ai déjà dit, mais bon, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là. Parce que déjà, ça nous motive plus quand on voit nos nombres de followers qui suivent, enfin qui montent plutôt. Et en plus. Ouais, c'est toujours sympa, quoi. Ça prouve qu'on fait pas ça pour rien. Et on va placer l'aglet. Bon, de toute façon, dans tous les cas, t'as deux... J'allais dire fléaux, c'est pas des fléaux, c'est des prismes. C'est des orbes, voilà, c'est des orbes que je voulais dire. Je suis fatigué. Du coup, dommage, j'aurais pu placer ma pâte cerise, elle aurait pu faire des gros dégâts. Il va claquer une orbe. Voilà, c'était prévisible. Donc là, je suppose que je tape un Fodofus. Je claque ça là. Et je vais claquer Evangeline ici. Pour foutre la pression. Alors, il va claquer ses cartes sur Evangeline, normalement. Parce que ça, c'est un Fodofus. Et ça peut être un Fodofus. Prendre, j'ai plus de cartes dans ma main. Faut que je pioche. Faut que je pioche des cartes, quoi, là. Goultarde. Ouais, ça va être galère, là. Fatigué à 19h30. Bah, écoute, vu la journée que j'ai passée, en fait, si tu veux, moi, je bosse dans l'aéronautique, si tu veux, et je fabrique des roues d'avion. C'est pas de tout repos. Baccarat, Baccarat, Baccarat. Je suis mal là, je suis mal les gars. Je suis vraiment très mal. Il invoque toutes ses grosses cartes là, je suis dans la mouise. Si tu pouvais me donner. Ouais, il a claqué son orbe. Je sais pas ce qu'il y a une autre carte, de toute façon, à claquer pour tuer Evangeline. Ah oui, voilà. Vas-y, repioche.
Ah là 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 là. Ah, bah ça permet de piocher. Ouais, bon, je sais pas ces dégâts non plus. C'est génial. Ouais. Mais bon, fatigant quoi. Surtout quand t'as un patron qui est sur ton dos toute la journée en mode bon, t'auras bien fini. Bon, t'auras fini. Bon, t'auras fini. Non, ça prend pas 2 secondes, monsieur. Nouveau d'avion, c'est du temps. Surtout que j'ai pas envie de la flinguer la roue, quoi, surtout. Si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je crois que j'ai fait l'erreur de la game là. J'aurais dû jouer ma SK saute ici. Ouais. Le gars, il est en train de se faire du PA sur mon dos. Donc attends, où est-ce qu'il tape là? Déjà, il tape sur un faux et là un vrai. Ouais. Donc là, il va y avoir tous les presses qui me respawn. Ça m'arrange pas vraiment là. Carabine. Si je, c'est à ce moment-là que je me dis j'aurais dû placer ce carte ici. Hein. Bah, il va me prendre un fléau, je suis triste, c'est pas grave. Mais il va claquer tous les fléaux sur le dernier Dofus, c'est sûr. C'est sûr, il a gagné. Le Thor. Ah, le Thor, il va faire super mal par contre. Sûr que les trois cartes qu'il a dans la main, c'est forcément des fléaux. Ah non, bon, il y en a que deux. Qu'est-ce qu'il va protéger? Alors. Salut, Dexkillian. Comment vas-tu? Salut Ultra, je pensais que t'es 20 en ranked. Ouais, mais il y a une nouvelle saison, du coup je suis rétrogradé au niveau des ranks. Chaque nouvelle saison, tout le monde descend en rank pour après les remonter justement. C'est fait exprès, t'inquiète pas. C'est pour surtout les gens qui sont AFK quoi, qui sont 30 et après qui jouent plus, c'est qui se disent je vais rester 30. Alors salut, alors Bissama83, comment vas-tu? Ça va, merci, merci. Je passe un bon live en compagnie de vous tous, c'est fun. Je suis juste en train de me faire rouler dessus. Ah, vas-y, je joue trop bien, je galère. Faux Dofus. Vas-y, il m'en prend un vrai. Et il a des fluos dans sa main, il a gagné. Oui, bah ça va, Bissama. Quand je vais faire, quand je vais faire. Du coup, il va s'arrêter là. Vas-y, qui tente rien à rien de toute façon. Ah mais non mais. Je suis con. Il est là mon Vodofus, s'il est pas là. Moi j'ai fait de la game, j'ai fait de la game. Non, j'ai fait de la merde sur la fin de la game là. Bah de toute façon il avait quand même me contrer. Ouais bon bah tant pis. De toute façon, info sûre, il a gagné. Il le sait qu'il a gagné parce qu'il a deux fléaux dans sa main. Il en a même un en plus en réserve au cas où. Donc, forcément gagné. Donc, ouais, je vais forfait, je vais gagner du temps. Ok. Bon, on va gagner du temps. On va aller continuer à chercher des adversaires. Si vous voulez jouer contre moi, bah, vous pouvez m'envoyer une demande d'amis. Sur mon compte Chablais de 88, hein. C'est un beau pseudo de Kiko quand même, ce que j'ai pris. Et surtout, si vous voulez rejoindre le Discord, vous pouvez le rejoindre si vous me demandez, bien évidemment. Enfin, si vous me demandez, non, c'est pas si je veux en fait. Si vous voulez le rejoindre, j'écris, je Discord. Si vous voulez le rejoindre, vous pouvez.
N'hésitez pas aussi à follow la chaîne, comme je l'ai déjà dit. Un yop rang 14. C'est rare. Je vois rarement des yop pour rang 14, perso. Lol, tu jouteras. Qui voudrait t'affronter? Bah, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui veulent s'entraîner contre des Kras, pour les contrer et tout. Pourtant, moi, si je vois un adversaire qui joue Kras, je suis limite ravi de le rencontrer parce que ça me donne envie de le battre. Non, je déconne. Ah, mais après, c'est ta façon de penser, hein. C'est pas un problème, hein. Après, chez Kras, c'est cancer. C'est vrai que c'est cancer, Kras, parce que la portée et tout. What? Ah, d'accord. Bon, si tu veux, mec, y a pas de problème. Ouais, je suis peu 3. Ouais, je me doute. Je viens de commencer le jeu. Ah, tu viens de commencer le jeu? Bah, bienvenue à toi dans la communauté de CrossMaga. Si tu veux des conseils ou quoi que ce soit, je serais ravi de t'aider. Un de ces quatre, si tu as besoin d'aide. Du coup, je suis perdu. Ah! Je vais passer mon tour, je peux rien faire. Après, je suis pas l'un des meilleurs, mais je sais me défendre, on va dire. Du coup, ouais, je sais comment tu vas faire. Ouais. Les FK sont pétés. Ouais, ils sont grave pétés, les FK, quand même. On va pas se cacher là que. Ça, on claque. Puis ça, je l'aurais autrement. Ça y j'y ai joué avant la sortie, et ça a changé un peu. Ça a un peu beaucoup changé, il y a beaucoup de nerfs, il y a eu beaucoup de boosts, il y a eu des nouveaux dieux aussi. Hein. Il y a beaucoup de dieux. Donc du coup, t'as joué à la bêta. Un autre, je connais un ami qui a joué à la bêta personnellement, bah, bon jeu qui est avec moi dans Final Level. Il a un socle, mais il est magnifique son socle, je trouve. Bah, je fais rien claquer pour le moment, je vais attendre. Je vais attendre, je vais attendre. C'est con comme de te booster pour rien du coup. Allez, ça dégage. Mais c'est clair que ça a changé, ouais. Du coup, je viens de foutre le seum à mon adversaire, je crois là. C'est une violence. Eh, je me reviens toujours pas, je me suis fait raid il y a environ 2 secondes 50 là. Placer ça ici. C'est du gâchis comme d'utiliser cette carte pour deux petites cartes, je trouve, personnellement. Après, c'est que c'est pas gros non plus, mais. En plus, j'ai As après. Vas-y, je me fais tellement plaisir là, mon gars. On est 20 personnes sur le chat. Waouh, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. 2 secondes. Là, sortie. De quoi 2 secondes? Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? J'ai pas regardé. Ah! D'accord. Ouais, je me sens nickel là pour le coup. Du coup, comment je vais faire ça? Ah, pour le coup, il est bien joué. Pour le coup, hein. T'as 3 de portée. Ah, je sais comment je vais faire ça. Poser ça là. J'ai un plan, mais de ouf. Oh, je me kiffe parfois. Parfois je me regarde dans le miroir, je fais ce là, t'es un beau gosse en vrai. Et après je redescends sur toi, je me dis ah oui merde, c'est un miroir, c'est vrai. Prêté pour un rendu, tu lui as mis le seum, il te le rend, ouais c'est ça, mais c'est grave ça.
Ah mais non, ça va pas en fait, je suis con. C'est pas grave. Attention, tu vas mourir. Evangeline, tu vas avancer de... Tu vas taper Mondofus. Ouais non, dans tous les cas, tu prends Mondofus en vrai. Ouais bon, c'est pas grave. J'ai joué quelque chose pour défendre. Ah, attends, comment je vais faire ça? Je vais poser ça là. Et bim! C'est un faux de fou. Alors, je suis triste d'une violence. Donc là, tu vas t'approcher, tu vas tuer Maglay. C'est du moment où je me dis pourquoi j'ai pas de Mougre Royal dans ma main. T'as combien? Je vais monter à 5 d'attaque du coup. Pourquoi il joue ça? Ah, c'est peut-être juste pour avoir le fléau en fait. Ouais, c'est amené, c'est juste pour avoir le fléau. Charge. Deuxième. Je comprends rien comment il joue lui par contre. Ah si, je sais pourquoi il joue comme ça. J'ai rien dit. Du coup, je vais avoir 5 d'attaque, mais j'ai un carquois aussi. Hein. Alors attends, 6, 10, j'ai claqué mes fléaux maintenant. Je les claque là. Hop. Il se prostitue. Ouais. Va dire ça comme ça. Bon, on a le seum parce que du coup, il lui reste plus qu'une. Ah non, c'est égal à ses PV. Du coup, j'ai 4 d'attaque. D'accord. Du coup, je gagne 15 de son attaque. Juste pour tuer mon As. Alors je suis triste, je suis blasé. Ah, plus game, plus... Ah! J'ai mal. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Hein. Mais non, j'ai pas encore perdu. Je pense pas. J'espère pas. Je veux pas. Ah! Oh bah si, j'ai perdu. Ce mec. Ce mec, il m'a saoulé. Bon, là j'ai perdu, attention. C'est maintenant que je pioche une nécrome. Asie! Il se fout de ma tronche! C'est pas humain! Oh, attends. Ah non, il avance pas assez. Sauf s'il a une glaive. S'il a une glaive, j'ai le seum. Il a pas de glaive. Il a pas de glaive, il a pas de glaive. Il a pas de glaive, mon gars. Je sais pas quoi faire. J'y claque ça là. Si je l'ai claqué ça là, je révèle un faux de fausse. Ah mais j'ai déjà fait tout à l'heure Loki. Mais bonjour à toi quand même. Piou d'abord. Non non, là mon Piou, je préfère garder mes PA pour l'instant là. Sinon j'aurai jamais assez pour tuer machin là. Après c'est un faux de fou je sais, mais je préfère garder mon faux de fou. Parce que ça, là s'il avance de trop, je suis foutu.
Ok. Bon, il tue un Fodofous, c'est pas grave. Bon, après, il peut piocher une carte en plus. Ça m'arrange pas. Non, du coup, il te fallait orbe 5. Attends, pourquoi tu me demandes s'il faut 5 orbes? Toujours le fameux jeu de mots. Ouais, bah oui, écoute, hein. C'est le nom de mon émission, hein, je vais pas le changer, hein, monsieur. Ah, attends, c'est un Fodofous par contre, j'ai le seum. Non, c'est un vrai. Crânichrome, non, juste qu'on appelle ça offensive. Voilà. Je sais pas si je prends Protoflex maintenant. Je sais pas si je prends Protoflex maintenant. Aggro, merci, j'avais perdu le mot. Non, non, j'ai pas encore lose. Ah si, il a deux fléaux, je crois. Si, il a deux fléaux, il a gagné. Attends, je joue pas ces fléaux? Ah si, quand même. J'allais dire. Dommage, j'aurais pu gagner. Bon, on continue. Bon, je pense pas que je vais passer rang 15 hein, dans cette partie-là. Je pense que je suis pas mal de la merde. Dans cette partie. Dans ce live, je pense que je suis pas mal de conneries. On est 23 en live, c'est la première fois que j'ai autant de monde dans un live. Waouh, c'est ouf. C'est ouf. Oh non, pas l'FK, non. Pas l'FK. Non, c'est même pas une FK, c'est une Inirypsia en plus, je dis des conneries. Vas-y, je garde. Ouais, non, j'aurais peut-être dû changer le chanteur en fait. Je suis déçu. Oui, je me suis rendu compte après. Pourquoi je dis fait? À chaque fois que je vois l'inéruption, je dis Feka. Je suis vraiment un bolos. Feka, c'est la nouvelle qui a apparu il y a pas longtemps. Kerubine Crépin, voler un faux setter. Bah, pff, naturellement. Hein. C'est forcément un vrai qui révèle? Ah oui, c'est forcément un vrai. Ok. Non, pas vraiment. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais moi j'ai que des amis qui viennent se connecter ou qui jouent à des jeux. Du coup, je manque à chaque fois de cliquer dessus quand je veux passer mon tour. Je suis con, je viens de me booster. Vas-y, t'es un crétin. Je suis un crétin. Je vais aller trop vite. Bon, c'est pas grave. Bon, moi, je tente un coup normalement. Je dis bien normalement. Deux si PC. Ok. Ouais, c'est bon, je tanque un coup, ça passe. Invoque une poupée gonflable. APV, pose d'invocation. Ah, c'est en fin du tour, d'accord.
Ouais, je mets ça là. Bam. Hop. Ok. Ouais, je vais pouvoir enfin piocher, je sais pas trop tôt. Et en plus, j'ai ma pieuse d'or là. Je la jouerai uniquement quand j'aurai plus beaucoup de cartes, je pense. Enfin, plus beaucoup de cartes, mais quand même quoi. Histoire que je puisse quand même jouer des invocations quand même derrière. Ok. Pourquoi pas. T'as combien de portée? T'as 3. Bah, tu tapes. Tu tapes aussi. En fait, tu tapes tout le monde, c'est cool ça. Je vais jouer Dark Moon. Sinon, je ne pourrais jamais la jouer ailleurs. Attends quoi? Ah, c'est la fin du tour. D'accord. Je sais pas jouer ça maintenant. Ah ouais, d'accord, ok. C'est la première fois que j'utilise Dark Moon, du coup je savais pas que quand j'avais 1 PV, du coup ça me baissait de 1. Enfin, quand j'avais que 1 PV au niveau des dégâts, quoi, en fait. Ouais, dommage, en fait. Je pensais que ça prenait les PV initiales, du coup je pensais que j'aurais pas... que j'allais passer de 3, en fait. Du coup j'ai bien fait de regarder avant. Du coup, à chaque fin de tour, du coup je peux avoir des dégâts... influencer à chaque fois. Ah, attends, il va monter à 5 d'attaque alors l'enfoiré. Ah. Bah, du coup la glace ça fait plaisir. Je crois que là je suis en train de me flinguer la game à moi tout seul. Attends, du coup j'espère juste que ça va pas me niquer mon effet là du coup quand même. Non c'est bon. Tant pis pour mon Bradofus, hein, j'ai envie de dire. J'aurais dû faire plus attention. Ah, pff, naturellement. Ça m'énerve ça, à chaque fois les gars ils ont les bonnes cartes au bon moment là. M'en fous, je changerai pas de problème de toute façon. Du coup, ouais, je tape directement nos fous, hein, écoute, hein, moi je cherche pas à comprendre. Juste que je vais claquer celle-là. Ouais, non. Ouais, non, sinon j'aurais jamais assez. Si je fais ça. D'accord, ça marche pas. Bon, bah tant pis. Je vais tester, mais bon. Ouais, je fais des tests dans la game. Je pensais que du coup, il considérait quand même le cran en temps porté, quoi. Mais non, apparemment. Pas de problème, le jeu.
Wow. Un loup-garou carrément. On va se calmer peut-être, non? Attends. Quand il coûte gaz, ils sont sans. Non, non, ils sont juste 2 PV. Bah, ça passe en vrai. Je vais avoir 4, 5. Sauf si j'ai un truc qui fait 3. Ouais, non, j'ai rien là. Mettre ça là. Et on va essayer de piocher une carte flèche destructrice, hein, histoire de foutre le seum. Ou alors il a Nichrome. Peut-être piocher un Nichrome, ça pourrait être pas mal. D'accord. Là, je vais jouer As. Vas-y, va encore me prendre un vrai Dofus là, ça va me saouler. T'as 5 de portée, toi tu vas faire mal par contre. Voilà. Bam! En plus je push. C'est un faux. Vas-y, mon autre crâne, tu peux le faire. Oh yes! Ça c'est du beau jeu ça. Ça j'ai bien joué là, je pense. Ah! Bon. C'est pas mal. Suis content de moi, ça va. J'ai géré. Là, c'est une féca. Là, c'est sûr, c'est une féca. Juste envoyer un message, hop, hop là, c'est bon. Vas-y, je garde ma main parce qu'en plus j'ai une carte qui fait qui a une assez grosse portée. Orco, Orco. Orco, c'est pas quelqu'un. Dans Zelda, ça? Dans Zelda Wind Waker, je crois, si je dis pas de bêtises. Oups, il m'explique. Ça va faire 1 heure où on est ensemble, les copains. C'est génial! Que tu vas mettre quelque chose en face pour contrer, de toute façon, toi, t'en es logique. Même pas. Bon. Bah, vas-y, je claque ma glaive ici. Non, c'est un ini, ça. Non, non, c'est un féca, c'est bon. Me juge pas, ok? Ah, j'avais oublié les glyphes, elles sont chiants avec leurs glyphes.
M'en fous, je t'appelle Dofus. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Si c'est bon, je sais quoi faire. Va piocher. Toi, je vais te le piquer, par contre, ça va m'arranger. Voilà, nickel, ça m'arrange. Hop. Merde, j'aurais peut-être pas dû mettre ça sur un vrai Dofus. Ah, oh, le bouffon, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas regardé. Du coup, j'avais pas regardé. Je comprends même pas ce que tu dis en fait. Alors, j'arrive jamais à ton pseudo correctement. Ma Master Z. Master Z, je sais pas si c'est comme ça se prononce. Désolé d'avance. Insensible au sort, bah, c'est pas un problème. Bah t'as mis mon play. Attends, quoi? Mais t'as fait mon play sans le lire. Ah, d'accord. D'accord. Traduction. PA dans la réserve, tu utilises Escassot, nom de ton CRA. Ouais, bah merci, je sais que Escassot, c'est le nom du CRA. Ah, c'est L3, j'avais lu I3. Ok. Ok, d'accord. Merci, monsieur Zbub. Monsieur Zbubin. Comment je vais faire ça? Ouais, j'ai une petite idée. Pour l'instant, je vais attendre. C'est un faux Dofus. Je suis un peu triste là quand même. Après, je pense qu'il aura défendu plus là-bas. Ok, c'est juste pour tuer Makra. Je sais plus si il fait 4, tu peux jouer deux glyphes au même endroit du coup. Il me semble que oui. D'attaque, ouais, c'est 3 d'attaque. Combien de portée? T'as 5 de portée. T'attaques directement les Dofus, ça c'est pas mal aussi. Oui, tu peux. Ok, merci. Il a utilisé tous ses PA de réserve. Ah.
Ah ouais, d'accord. Ah, il est pas con quand même. T'as trop de portée. Ah bah nickel, hop, on remonte en portée. Puis je vais jouer ça là. Là ou là? Non, je vais ça là parce que de toute façon j'ai deux. Je révèle un faux de fausse pour avoir du contre. Du coup, ouais, j'ai mal compté. J'avais oublié, du coup. Wow, il joue des cartes du futur. Pourquoi il joue des cartes du futur? Ah, il. Ok. Pourquoi il joue des cartes du futur? Ah, j'aurais peut-être dû poser mon carquois. Je suis con. Oh, le gâchis de PA. C'est pas grave. Cliff de la mort. Tant pis. Comme là, de toute façon, je peux rien faire, je joue maintenant mon machin. Ok. Des landes. Je crois qu'un coup contre un Fekka, je jouais qu'à... contre une Fekka, un coup elle avait c'était maxé en armure devant mon devant un autre Kra, mais j'avais placé mon Dan. Du coup, ça va traverser à travers un mur, ça m'a arrangé du coup. Perce armure. Ouais, bah voilà. Lui aussi, t'as perce armure. On va casser l'armure déjà. Si, je sais pas. Sais pas, je vais mosquito. Je vais plutôt claquer mon orbe, c'est pas grave. Je vais plutôt jouer ça. Donc ça doit être un faux de fou, je suppose. Mosquito, t'as un, deux. Ouais, mais tu vois, après mosquito, je peux le jouer un peu partout, quoi, tu vois. Si j'ai envie de back mon show là, par exemple, là je peux. Bon, il a forfait. Ok. Bon, tant mieux, ça me fait gagner du temps. Bon, j'ai juste un petit problème. Voilà. Hop, je voyais plus très bien les commentaires, je les voyais à moitié. Du coup, on continue, hein. Continuons, 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 continuons. Bon, j'espère que ce sera un autre adversaire assez simple à battre quand même. Je veux pas quand même contre des mecs qui savent jouer quand même. Bon, après, rang 12, tu sais jouer. Hein. Sacrieur, rang 13. Darkly Moon. Est-ce que je la garde? Et je la garde parce qu'elle peut refaire la game quand même. Je commence encore en premier. D'ailleurs, je sais même plus si j'ai commencé en premier ou en deuxième. Ah, anti-classe. Anti-classe. Quoi? Surtout
Enfin, je pense que Dark Limon, du coup, ça peut être utile, puisque c'est uniquement des cartes qui marchent sur le dégât. Iliot. Cherche un qu'on joue une invocation. D'accord, ok. Ah, attends. J'ai pas vu ce que tu dis. Ça peut peut-être m'intéresser, ça, par contre. Tu commences par lui parce que t'as un deck avec des cartes moins chères que lui. D'accord, ok, ça marche comme ça. Ah, ça marche comme ça, d'accord, je comprends mieux. En fait, je pensais que c'était genre du pile ou face, en fait. Ça marche comme ça, d'accord. Ouais, du coup, ouais, ça me semble logique, du coup. Ouais, bonjour. Tu peux avoir peur si ça commence avant toi, en cra aggro. Sauf si t'es un autre cra aggro. Ok. Du coup, on est deux. Avoir porté. Je claque ça là. Ouais, ça dégage. Nickel. Et 1. Et 2. Ah, le pile sacré qui fait mal. SK. Après, je jouerai Dark Moon là. Enfin, je joue Dark Moon, ça me mangera pas trop non plus, mais bon, c'est pas grave. Bah, ok, bah, du coup, ça m'arrange, hein. C'est les counters, les crabes. Ouais, je sais. Ah, je vais rien faire. Je vais rien faire parce que je peux rien faire. Après, j'aurais pu jouer mon protoflex, mais je sais pas, j'ai pas envie de jouer maintenant. Oups. Ça marche comment en contre-coup? Plus 1 attaque, plus 1 air. Ouais, ok. Je te touche, hein, on est d'accord? Ouais, je le touche, c'est bon. Je le tue. Ok. Il y a juste un truc qui va pas, pareil, j'ai caché les commentaires du coup à cause de mon fail. Voilà. Ouais. Ouh. Est-ce que je peux faire ça autrement du coup? Je peux invoquer un sacri, ouais. Pas un sacri, un cra. Oh, je me fais des destructrices. Non, vas-y, je la claque maintenant. C'est quoi ton effet à toi? Coûte un PA de moins par invocation à l'île blessée en jeu. D'accord, ok. Voilà, pas dû coûter très cher comme carte. Hein. Je vais claquer ça là.
Ok. Bon, ça c'est cool au moins. Marca or Inco. What? Qu'est-ce que tu dis? T'as fumé? C'est vraiment utile que je fasse ça. Si je back, je fais. Comment je vais faire ça? Bon, après, je fais pas trop, trop mal en vrai. Non, non, je fais pas trop mal. Là, donc ça passe nickel en vrai. Si ça pas clean, Marca, Yosso. Ouais. Bon alors, je vais faire comme ça du coup. Et jouer un fléau ici. Hop. Ça c'est quoi? Qatar. Le Qatar. Vas-y, je vais réveiller un Fodofous. J'aime tellement pas Qatar en vrai. J'ai pensé à ça, je sais jouer dans le mauvais ordre en fait. Je regardais un truc. Ce que j'ai joué avant. Alors attends. J'ai joué d'abord ça, je crois. Je sais plus ce que j'ai joué avant. Je crois que j'ai joué ça avant. Du coup, j'ai fait le con, je crois. Ah, je sais plus. Du coup, dans le doute, c'est du gâchis, je sais, mais bon. Je sais vraiment plus comment j'avais fait. Ah, j'aurais dû faire attention, j'aurais dû mieux regarder ce que j'avais fait. Ouais. Donc là, attends, j'ai deux portes et si je joue 3 cras, je gagne 3. Ouais, j'aurais jamais assez de quand même. Ah, si j'ai joué Gouldtard ici.
Ok. Ok, pourquoi pas. Coup, attends, on sera jamais assez loin. Je vais mettre ça là. Ah mais non, mais je suis con, c'est pas grave. Fin du tour, voilà. T'as win, je pense. Il doit plus avoir de jeu. Bah, je pense aussi, ouais, c'est ce que je me disais au début. Mais bon, ça me saoule quand même de faire de la merde à chaque fois, là. Milou. Trois de portée. Ouais, c'est bon, je le tue, son Milou. Enfin, plus 4 à... 4 arrière. Bah, je joue Dan Lemmy, mais on n'en parle plus, hein. Hop, je joue ça là. Je te... Ouais, vas-y, je joue ma piouse dedans maintenant. Fuck. J'ai dû jouer avant, mais Zef. Et dans le doute. Ouais, j'avais gagné. C'est bon. Ah, rang 13, pas trop tôt. L'homme qui veut pas win. Non, mais c'était sûr que je win. De toute façon, c'était fini. Je pouvais jouer n'importe comment, c'était sûr. Alors, on en fait une. N'hésitez pas à follow la chaîne hein, si c'est pas fait. Hein. Franchement, faut pas rater. Les streams de Final Level. Faut être là aussi à première seconde pour se foutre de ma gueule aussi, ça peut être une bonne occasion. Hein. Vas-y, je suis en ouf, je garde. Scarface. Scarface Céleste. Ah! Pas de résistance. Tant qu'il est en jeu, vos butins sont gratis. Ok. Je m'en fous. Attends. T'as une portée de 4? Bah ouais, tu le tues quand même. Ouais, bah Osef. J'ai pas compris là en fait ce qu'il a voulu faire. Ok. Je pense que c'est juste pour prendre le prisme du coup. Je continue à piocher. Oui, il va forcément jouer là pour choper son bulletin. Ah non, même pas. Il est chiant. Il m'a saoulé aussi, c'est pas ma faute. Hein.
un des God of Sparta, c'est comme vraiment sans but. Ah ouais, ok, j'ai compris pourquoi il voulait. Ok. Faut piger un truc. Ah, du coup, ouais, il va ramasser deux bulletins là normalement ce tour-ci. Bon, j'ai infligé deux dégâts au Dofus, c'est pas grave. Peut-être même. Ouais, non. Deux, je pense. Pas trois. Sauf si une combo, là. Ah. 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 Je disais bien qu'il y avait une combo. Mec, t'as eu de la chance, mais je t'en raconte pas. C'est que je vais rester là. Hop, ça dégage. Il y a 7 d'attaque l'enfoiré en plus là-bas. La pelle, forcément, sinon c'est pas drôle. Toutes les cartes pour me contrer à chaque fois. J'en ai marre de pas avoir de ligne de main comme lui là. En même temps, il a pioché 3 bulletins en un tour. Concentré là, ça y est, je commence à trahir. T'as encore une carte, mec, qui attaque sur une ligne et je crois que je pète un plomb. Là. Ok, t'as décidé de taper lui. Vas-y, enfoiré! En plus, t'as les deux fléaux là, tu vas me niquer le Dofus! Vas-y, j'en ai marre de sa chance là! Toujours pas les mêmes, la chance là, ça me saoule. Ouais, c'est du sel, on va dire ça. Fin du game, il va utiliser ses deux fléaux, j'ai perdu. Sauf s'il va vouloir me faire exprès d'attendre. C'est aussi une possibilité envisageable. Ah non, ma souris va pas commencer à faire nawak là, hein? Merci. Nécrome inamovible. Tranquille, le gars joue sur toutes les lignes, au calme.
Oh, il a gagné, hein. Je pense qu'il fait juste exprès pour attendre, non? Ouais, j'en étais sûr qu'il allait gagner. Ah, mais non, la souris là. T'as pas fait chier tout le début, tu vas faire chier la fin. Vas-y, Pierre Fricton reconnu. Ça commence à me saouler. Bon, ok, t'as décidé de m'emmerder, hein. Rappelez-moi, arracher une souris qui n'est pas cassée la prochaine fois. Parce que là, ça commence à me saouler. Là. Ma souris, elle commence à se déconnecter toutes les 30 secondes quand elle a envie, là. Je pense que j'ai le temps d'encore faire une dernière game. Puis après, voilà. Bon. Même temps, c'est le début de saison, du coup, il y a tous les badass qui se ramènent dans les baroques là. Ouais, je suis en train de me charger des excuses actuellement. Genre, c'est pas ma faute, ceux qui sont trop bons. Merci du de l'eau. Comment je vais faire ça? En le laissant mourir, tout simplement. Tant pis. Tant pis. Mais je vais Goulthard. Mais plutôt au centre. Ouais. Je sais pas, ils sont déjà en 30 là, tout cassé. Là, je veux dire, surtout en fait, tous ceux qui sont rang 15, comme ça, c'était ceux qui sont plus haut que rang 20, donc. Ou alors, c'est ceux qui ont joué, qui ont cessé le jeu. Hein. Ah, qui ont séché le jeu. Comme c'est comme quand on vient juste de recommencer la saison, je crois. Oh, naturellement, vas-y, t'as trop de chance, mec.
Je prends cette carte, je m'en fous. J'ai remarqué que je parlais plus. Peut-être que je pense à animer un peu le stream quand même. Mais je suis trop vraiment concentré, j'ai pas envie de reperdre encore une fois. Ça ferait que genre 3 défaites de défilé, je dirais. Peut-être même 4. Défilé, peut-être pas. Hein. Bon. Ça fait chier quand même. Nox. Non, alors, ça va pas faire que je joue un Nox 2 étoiles. Vous allez perdre votre réserve. Ah, c'est qu'ici, il est mort. Ok, donc là, il en a 3. Tu m'infliges à 3 de dégâts. Je crois que ce que je viens de faire, ça sert à rien parce que j'y vais quand même mourir après donc. Ouais, ça sert à rien ce que je viens de faire après. J'avais une gâcher un mosquito en fait, c'est tout. Donc ça dégage. Bon, à tous les coups, il a trouvé un truc de toute façon pour buter mon machin là. Oh, vas-y, t'es sérieux. Non, attends. Attention. Du coup, j'ai 4 d'attaque. Ça me fait 6. Et du coup, je vais taper avec ça ici. Ah, mais non, je vais la perdre tout de suite. Le con, j'ai pas regardé. Bon, tant pis, meurt. Super as avec. Génial. Non, attends, je regarde un truc.
T'as 3. Je fais plus 1 en portée. Plus... Ah, vas-y, je peux peut-être sauter un truc. Je tente des trucs, hein. À tous les coups, il y a une pelle ou un truc comme ça qui traîne, c'est là. Je crois que c'est le seul inutile que je vois pas jouer butin, j'allais dire. Oh, nope, les badass seront encore en vain jusqu'au 20 facile. Le système de Hello de Crawl ne t'encourage pas à monter vite en niveau. D'accord, ok. Ah, Fodofus, naturellement. Perçu du de l'eau. Du coup, je peux monter à 4. Vas-y, j'en profite. À la fin du tour, normalement, ça va faire effet. Yep, ça va marcher. Hop là. Voilà, j'ai cligné le terrain. On n'en parle plus. Suivant. Du coup, là, je suis pas attaqué de partout. C'est génial. D'accord, donc la Inna c'est un vrai Dofus, ça c'est sûr maintenant. Hop, on repioche Evangeline. 4. Alors, comment est-ce qu'il va jouer? Ouais, le butin. Ouais, bah c'est con que je tape à travers l'armure, hein, du coup. Alors là, c'est vraiment con pour toi. Ah, oh. Salut mon culus, comment vas-tu? Hop. Bah voilà. En plus, grâce à l'effet de mon Moon, du coup, je regagne sans arrêt des trucs. Bon, ton héroïne avec le Mosquit.
De quoi? Pourquoi tu me dis ça? Très bien, tu gagnes. Bah, je gagne et je perds, ça dépend. Je fais le yo-yo. Je sais pas si c'était l'homoncus, mais je me suis fait raid aussi tout à l'heure. Je suis monté à 31 viewers. Au début du stream, ça fait du bien. Du coup, ouais, j'ai plus le temps de refaire une game. Je vous propose. Alors, attends, le draft, c'est vendredi, il me semble. Ouais, c'est vendredi les drafts. Ouais, non. Draclay, il est OP. Ouais, grave. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette minute? Bah, si vous voulez, je peux discuter avec vous. Ou alors, si vous voulez aussi, je peux montrer les Infinites, hein, pour ceux qui veulent. Infinite, où est-ce qu'on va pouvoir être possédé? Je crois que c'est là. Possédé, ouais. Parce que je suis censé finir le stream à 55, du coup je vais plutôt vous montrer les infinites que j'ai en stock. Après, ouais, j'ai pas trop XP, hein. J'ai juste XP les cartes qui m'intéressaient, genre Evangeline, Tristepin. C'est vraiment les cartes qui m'intéressaient le plus. Du coup, normalement, qui c'est qui est après moi, si je dis pas de bêtises? Ouais, c'est Homonculus qui vient après moi, je comprends pourquoi t'es à l'heure. je rigole, c'est une blague. Vas-y, je déconne Homonculus, hein, je pleure pas. Hein. je vous invite aussi à rejoindre le Discord de Funny Level. Comme ça, si vous voulez communiquer avec moi, une autre personne, vous pouvez. Par contre, je sais plus c'est quoi l'autre commande pour les sites, pour les réseaux sociaux. C'est social, voilà, ok, merci, j'avais un doute. Hop, social pour rejoindre les réseaux sociaux. Puis voilà, surtout, c'est toujours plaisir aussi d'avoir un follow de temps en temps, voir qu'on est suivi par des gens. Ah, salut, Oculus. Je te parle plus, tu m'as vexé. Pourquoi je t'ai vexé? Non, je rigole. Ah, c'est mal. Bonjour. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Ah ouais, je me suis fait raid, mon gars. J'étais. Waouh, j'étais choqué. J'étais pas prêt. Ah, bah c'est bien les raids. Ah ouais, non, mais surtout. Ah bon. Ah, bah merci, merci à tous les gens qui ont follow la chaîne et même ceux qui sont venus. Franchement, Ouais. merci à vous. Et wesh Loïc, t'arrives à la fin de mon stream. Je suis pas déçu. Ah, oui alors. Du coup, Homoncus, qu'est-ce que tu vas faire de beau? Ah, alors je vais faire un petit jeu poétique et féerique, Ori and the Blind Forest, une petite pépite de 2015 qui a beaucoup été accueillie par la critique, qui a eu pas mal de prix aussi, donc je vais enfin pouvoir le découvrir de mon côté. Normalement, je devrais pas être déçu, mais voilà, on verra bien. Ok, Donc un d'accord. petit stream, voilà. Un petit stream bien Donc sympathique. oui, comme d'hab à chacun de mes streams, c'est des streams sympathiques. Est-ce que tu as bugué comme la dernière fois? S'il te plaît, parle pas de malheur. Hein? J'ai testé ce matin, j'ai testé encore il y a 1 heure. Ça passait bien. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Ok, nickel. Et Bon. si ça se passe mal, tu me files 10 000 euros. Je te fais que. Hein? 10 000 euros? Bon d'accord, 20 000. Mais t'es un malade? Vas-y, j'ai négocié avec Loki, genre s'il peut pas m'avancer un peu de thune et tout. Enfin, ouais, sinon demain on se retrouve avec Loïc de 18h à 20h sur du Final Fantasy Lightning Returns. Ensuite, ça sera du Spectrolo du 20. Du Spectrolo, ouais. Après, on aura Spectrolo de 20h à 22h sur League of Legends. Ensuite, vous me retrouvez moi du 19h à 21h sur du Sword Art Online Fatal Bullet. Du 19h à 21h. Ensuite, vous avez Napoléon 1er de 21h à 23h sur du PUBG, ouais. Et le vendredi de 19h à 21h. On a Docteur Apis sur du Hearthstone, le jeu où je comprends rien, que dalle. ensuite, de 21h à 23h, nous avons Birunar. 22h-23h, c'est pas sûr de l'horaire parce que C'est vrai? ben vu que nous on a une réunion de notre côté, on sait pas si Biron il pourra enfin faudra Ah! voir avec lui donc. Enfin, pour l'instant, c'est prévu que Biron fasse Voilà, normalement un c'est live sur prévu, mais Fortnite. Normalement, c'est prévu. peut-être qu'il sera en retard quoi. De toute façon, je pense que je vous préviendrai jeudi, de toute façon, dans tous les cas. Ensuite, samedi, de 18h à 19h, donc 1 heure de temps, nous avons Loïc qui va faire du showdown
pas piquer des hannetons. Pourquoi je dis ça? Ensuite, nous avons Trillian qui suit Loïc de 19h à 21h sur du Mario Kart 8 Deluxe. Et qui suit juste derrière, encore une fois, notre très cher ami Vironarok, qui va faire du Yu-Gi-Oh! Duel Links avec sa chance légendaire. Et on finira la semaine en beauté avec Napoléon sur du Minecraft de 16h à 18h, Brojo avec du Overwatch de 18h à 20h, et Dr. Abyss avec du Pokémon. Je sais pas quelle version, mais du Pokémon. Du coup, Bon, il va continuer sa chasse sur je Party suppose, ouais. Pooch, je suppose. Je suppose, ouais. Du coup, j'ai tout dit. Tu as tout dit aussi, mon culus? Oui, j'ai tout dit. De toute façon, je redirai encore le planning, moi, en fin de D'accord, stream. ok, Donc. ça marche. Du coup, je vous dis à la prochaine pour de prochains streams de ma part. Restez pour Ouais. l'élève de mon culus qui va être Et à tout de suite fun. pour ceux qui restent. Voilà, à tout de suite pour ceux qui restent et ciao. Ok, tu me dis quand t'as coupé.